zones où sont déployés notamment des soldats de l'EUFOR. Des combats sont signalés à Gosbeïda selon le colonel Assouma Assabella que on écoute. Je vous propose d'écouter ce chef de la guérilla de l'UFDC. Juste il y a de cela une heure que une de nos colonnes a pu pénétrer dans Gosbeïda et le combat se déroule actuellement à proximité du centre-ville. Hein. Le combat est en cours et on va vous donner le bilan d'ici peu de temps. Apparemment, au point de vue c'est défensif, on trouve que l'armée tchadienne est importante, sa présence est importante à Gosbeïda. Les combats ont lieu en dehors de la ville, aux portes de la ville? Oui, les combats ont lieu aux portes de la ville, sur les rochers qui entourent la ville. Donc, nos troupes avancent bien sur le terrain. Ils ont pu récupérer certaines positions et ils continuent à avancer. Que fait l'alliance de Mahamat Nouri, l'Alliance nationale? L'Alliance continue son chemin vers l'Ouest, donc c'est sûr que dans les heures qui arrivent, ça va être des heures décisives pour le gouvernement et sa soldate. Voilà, le chef de l'UFDC a été joint au téléphone par Karine Franck. Du côté gouvernemental, on confirme également les combats de Gosbeïda, mais on s'abstient de tout commentaire pour l'instant.